Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, tu as le beefsteak Del Wayo comme chez IGA. Mais là, il est à 5,88 la livre. C'est des paquets familiales, donc tu en auras deux par paquet. Correct, pas de trouble. Hey, à 5,88 la livre, c'est vraiment pas cher. Ou 12,96 le kilo, pas de 13$ là, pour du petit pont. Tabarnouille. C'est merveilleux. Encore là, il reste qu'à le choisir comme il faut, mais si tu le choisis comme il faut, là, puis tu le fais cuire comme la bonne façon, là, tu te retrouves avec un super steak pour 5,88 la livre, vraiment pas cher. C'est super bon. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, le bœuf haché mi-maigre, je t'ai dit que ça allait rendre vedette cette semaine, c'était fait, hein? Il est à 2,88 la livre, ou si tu préfères, 6,35 le kilo. Donc, pour du bœuf haché mi-maigre, on voudrait l'avoir à 2,49 et moins, mais tu sais, à 2,88, ça a bien de l'allure, c'est sûr. Aussi, qu'est-ce qu'on trouve chez Provigo? Écoute, le filet de saumon, hein, c'est là qu'il est le moins cher cette semaine, à 7,99 la livre, ou si tu préfères, 17,61 le kilo, tu vois, pour le filet de saumon. Hey, j'en ai mangé hier justement, bon, il était encore plus en spécial la semaine passée, à 6,85, mais là quand même à 7,99, c'est quand même un très bon prix, là, en bas de 20$ le kilo, il était à 17$ le kilo, super bon, mais c'était bon, on a fait une nouvelle petite recette là, avec des poires, on a mis une légèreté française, du gingembre, fait, on venait ça, on a réussi à en faire plus, là, puis ça avait un petit goût et des cœurs, hein, avec, on a fait, on a pris une canne, tu vois, une canne de poire, là, tu sais, caraméliser ça avec les petits... oignon ou ben échalote française, là. Puis j'ai fait cuire pendant 23 minutes à 350 sur la peau, direct de même, pas de rien, le jus de sel du poivre. Mon petit saumon. Puis quand il est sorti, je prends une petite, avec ma spatule, là, je laisse la peau dans le fond de la lèche-frite, là. Je fais juste pogner la chair, là, un beau morceau de poisson, là. Puis là, je mets ma garniture là-dessus avec les poires. Hey, c'était bon, là, les poires avec ça. C'était bon. Ça pouvait goûter ça, là, tu sais. On invente des fois, on pogne quelque chose, puis let's go. On se fait un bon souper, puis c'était bon, là. C'était bon, c'était à refaire, ça, c'est sûr. On l'a noté, mettons. Tellement bon qu'éventuellement, je vais probablement faire une petite recette, là, filmer, puis je vais te montrer ça, comment je fais ça exactement. Mais c'est délicieux. Écoute, c'est facile à faire. Du saumon, là, c'est super facile. Il faut juste pas que tu le fasses trop cuire. Si c'est ça qu'en dedans, bien, c'est vraiment, tu viens de perdre énormément, là. Mais ça reste que c'est ça, l'oméga 3, hein, en toute puissance. Fait que c'est fantastique. Mais écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Mais je t'invite vraiment, hein, à t'abonner à la circulaire de Papa Papa. C'est bien important parce que, premièrement, ça m'encourage. Hein, ça me permet de pouvoir continuer et éventuellement peut-être en vivre. Ça serait super. Puis si tu t'abonnes à l'abonnement VIP de Papa Papa, mais là, tu retrouves ainsi que la circulaire, bien, les vidéos, les audios que tu peux télécharger. Hein, ça, c'est super. Les recettes aussi que je mets à l'occasion dans ton espace privé. Tu as un espace privé et tout. Là, fait que tu peux y aller 7 jours par semaine, 24 sur 24 quand tu veux. Fait que c'est super. Puis il n'y a pas de publicité dans l'espace privé de Papa Popote. C'est ça l'idée aussi. Fait que vraiment, là, c'est là que ça se passe. Puis ça devient ton centre de contrôle là, pour ce qui est de l'épicer et de sauver de l'argent. Parce que l'idée, là, la secrétaire Papa Popote, là, c'est pas c'est de m'encourager, oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est t'aider, toi, hein, à t'assurer de jamais manquer un rabais. Puis, tu sais, vu que t'as pas le temps de commencer à scrutater toutes les circulaires, bien là, au moins, avec la secrétaire Papa Popote, bien, t'as tout dans une circulaire. C'est ça l'idée, hein? Fait que, écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye.